Alors, on va commencer par une petite présentation sur toi, avant tout. Oui, présentation, qu'est-ce que je peux dire? Je m'appelle donc Marcelin Péou. Je suis prêtre et voilà, je chante aussi un peu. J'écris aussi un peu. Et voilà, on est là à Rome, dans la ville éternelle. Et donc la musique, donc tu joues depuis combien de temps? Bon, en fait, depuis quand je suis au séminaire en formation, que je m'intéressais à la musique, spécialement la guitare. Oui, donc tu joues la guitare? Ah, oui, je joue à la guitare, mais bon, je joue... La sèche, la guitare sèche. La guitare sèche, ouais. Guitare électrique aussi un peu, mais bon, pas en public, quoi, je joue pour mon compte. Pour toi? Oui, oui. Ouais. Ouais. D'accord. Et puis bah, peut-être tes études, tu vas nous parler un petit peu de tes études. Bon, les études, voilà, des études. Après donc 3 ans de prêtrise en Centrafrique, je suis venu ici dans le cadre des études bibliques. Oui. Mais justement, j'ai étudié à l'université Urbaniana, qu'on peut voir là-bas sur la juste colline. Juste à côté. Ouais. Voilà, juste à côté. Et donc j'ai fait des études de Bible. J'ai fait une thèse donc sur l'évangile de Saint-Marc et je l'ai défendu l'année dernière en avril. Je viens justement de le publier cette année. Bon, la richesse, c'est quand même que ces études bibliques te donnent une grande ouverture par rapport, par rapport au pays de Jésus, par rapport à la lecture des textes, par rapport à ta prière personnelle, par rapport à ma vision de la Bible, de la lecture de la Bible a complètement changé. Bon, ça influe nécessairement sur ce que je fais, sur la musique et tout, quoi. Oui, donc en fait, ça se retrouve sur ta musique. Ça me retrouve sur ma musique. Voilà, ouais. L'influence des études bibliques se font sentir parce que parfois, pour mes compositions, j'emploie des scènes bibliques, quoi, que je mets en musique. D'accord, mais pas que des scènes bibliques. Pas seulement, mais je chante aussi la vie des gens, je chante aussi la joie, la tristesse, la mort, tout ce que... Global, quoi, en fait, la vie... La vie ordinaire, tout ce que peut vivre quelqu'un, parce que la musique, c'est un monde, hein, on ne peut pas l'enfermer dans des catégories précises, quoi, donc c'est ça. Même si je puise aussi en écoutant du grégorien, mais on ne fait pas du grégorien avec guitare électrique. Ah là, ça rafraîchit. Nous sommes ici à la place Saint-Pierre, un lieu nécessairement très important et fondamental pour l'Église catholique. Rome est important à cause de sa double apostolicité. Nous pouvons donc voir
ici la statue de Saint-Paul et de l'autre côté la statue de Saint-Pierre avec la clé. La ville de Rome, c'est justement là où est le pape qui préside à la communion de toutes les églises. Être ici, c'est un moment très important où on rencontre vraiment des chrétiens qui viennent de partout, du monde entier, pour pouvoir boire à la source en quelque sorte, quoi. C'est ici que les apôtres ont été martyrisés, ils ont donné de leur vie pour pouvoir enraciner la parole de Dieu qui se trouve aujourd'hui répandue à travers le monde entier. Donc Rome, au niveau de l'Église, a un symbolisme vraiment très fort et surtout cette place Saint-Pierre, là où ont lieu les conciles Vatican II, etc. C'est vraiment génial d'être ici. Et on est ici aussi pour parler de la musique religieuse, de la musique que je fais. Mais je le fais en écoutant aussi ce qui a été fait avant, la musique grégorienne, les types de musique qui viennent du monde entier, parce que parfois ici arrivent certains groupes chrétiens qui viennent se produire de l'Indonésie, du Japon, d'Europe, de l'Est, etc. Et ça donne l'occasion de voir comment la même foi, Dieu est un, mais notre manière de prier, de chanter est différente. Mais tout cela contribue à enrichir la même foi.